Hey, salut à tous, on est reparti sur Kingsley Aventure. On sentait que c'était dangereux. Je pense qu'il faut aller sur ce chemin-là. C'est pas celui qu'on a pris au début, hein, j'ai l'impression. Mais il me gonfle lui à sauter là. Qu'est-ce qu'il veut le kangourou? En tout cas, j'espère que vous allez bien pendant que moi je m'embrouille dans ces phases. Je peux aller jusque là-bas? Putain, mais ces chauves-souris de l'angoisse aussi. Wow, j'ai réussi à freiner. Oh non, mais il y a des morceaux découpés. Ah, j'ai laissé une piécette ici. Eh, mais il va me suivre. Non! Bon, j'irai chercher la piécette, c'est pas grave. Et je vais me débarrasser de lui parce que là, il me gonfle. Ah, il y a deux piécettes. Allez, c'est bon. Je lui règle son compte. Au petit gros. Pourquoi il veut embêter notre ami Renardo? Bon, on s'est fait 3 piécettes, ça se prend. Alors, le petit nuage, il est là. Attends-moi, nuage. Attends-moi, nuage. Laisse-moi remonter sur. Mais non! Mais il me laisse même pas le temps. Mais non! Mais que t'ai-je donc fait? Ah bah quand même, j'ai cru que j'allais encore me rater. Le fail du nuage. Non mais là je sens les embrouilles sur cette phase. Hein. Je vous le dis de suite. Non mais le truc c'est pire que de la glace. Qui a inventé cette mécanique Non mais si vous avez une idée de quelle est cette texture, qu'est-ce que c'est censé représenter? Dites-moi, du slime? Du mucus de dragon? Mais non, mais je saute trop tôt. Ma distance est mauvaise. Voilà, ça c'est bon, je commence à avoir le timing. Mais on va pas se rater 40 fois, on va pas passer l'épisode à se rater là-dessus. Ouais, le mec qui a tapé un coup de speed, on sait pas pourquoi. Voilà. Faut pas être trop pressé en fait. Voilà, parce que si tu accélères trop, c'est foutu. Alors il faut pas que je me rate. Là normalement c'est bon, on maîtrise. Mais ces chauves-souris. Mais non, j'ai sauté encore tout de suite. Non, mais cette mécanique de vouloir avancer, sauter en même temps, ça ne marche pas ici. Mon enfant, ça ne marche pas. Non, mais c'est bon, j'ai tellement fait ça que je le maîtrise, ce saut de nuage. Mais c'est pas ça qu'on veut réussir. Mais en plus, je me plante de plus en plus tôt. En vrai, la musique, elle est sympa. J'aime beaucoup la. Bon, vous allez me dire, c'est une boucle, certes. Calme-toi. Calme-toi. Non! Ah, ça m'a fait effet pente. Bim, tu tombes. Saligo. J'y étais presque. Presque. Est-ce que c'est vraiment le mot? Ok. Je peux accélérer un peu au début, mais après, il faut se calmer. Non, non, non. Cette glissade, je vous jure. Non mais là, ce truc en croix là, c'est tellement dégueulasse comme plateforme. Non, j'ai encore glissé en arrière, j'ai pas été assez en avant. Ah mais non, putain, mais je suis trop saoulé.
Je vouais. Je sens déjà qu'il y en a qui se marrent encore. On rit du malheur des autres, hein, n'est-ce pas? Oui, toi qui te sens visé. Mais je n'abandonnerai pas. Je suis réputé pour être coriace. Non, j'ai sauté trop tôt. J'ai pas fait avancer. Voilà, dire des conneries aussi. Non, je suis arrivé trop tard. Faut que j'attende une boucle. Ah, c'est horrible. Je vous déteste tout autant que vous êtes. Je vais finir dépressif. On m'avait dit dans la joie et la bonne humeur, vive le rétro. Oh, mais je joue tellement avec le feu. Non! Non! Ah, j'avais géré en plus, mais je me suis retrouvé sur l'autre truc, j'aurais dû le tenter. Ouais, mais non, parce qu'il faut aller à droite, c'est compliqué de chaîne cette phase. Avec la glisse. Je pense que sans la glisse, c'est jouable, mais avec la glisse. Ah, mais ils sont vicieux, c'est quoi? C'est ce level design de la folie. C'était pas assez chiant jusqu'ici? Oh, mais j'y vais tellement. Non? Non, mais j'y retourne. C'est ça le pire, si je leur demande. Là, ça glisse pas. Mais ça va glisser là-bas, là. Tu le sens, la carotte de ce truc? J'ai de la marge normalement. Oh, il y a un save. Mais ça me remettra jamais jusque-là. On tourne, on tourne. Ah mais les chauves-souris, elles peuvent vraiment m'agresser. Hein. Je le sens au plus profond de moi-même qu'elles m'en veulent. Alors je pense que la pièce m'indique la route à suivre. Oh là là. Oh les embrouilles. Heureusement que ça glisse pas ici. Ça aurait été tellement vicieux de finir dans cette lave. On va y aller tranquille. On y va tranquille. Non mais regardez, il y a du progrès. On a fait le tour en vrai? Ou c'est un autre chemin ça? C'est quoi ce nuage? Faut que j'aille là? Tu sens que je vais me rater ou pas? Est-ce que t'as cette sensation toi aussi? Petit pas. Ah, j'aime pas ce qu'il y a sur ma droite. J'aime pas ça. Attends, en plus, la caméra, elle est pas là pour t'aider. Oh là là. Je m'en suis sorti. Oh oui. Je sens encore les embrouilles, mais on s'en sort. Putain, 10 minutes pour cette phase. Bon, on enlève. La petite intro et tout, mais quand même. Pour ce royaume des embrouilles. Il y a une clé banane. Pièce 7. Ah ouais, c'est une vie, c'est ça, 50. Oh non, ça je le sens pas. Attendez, je vais me faire un petit marque-page parce que ça je le sens pas, je vous avoue. Mince. Tiens, je vais utiliser.
J'aime bien. On va utiliser des feuilles de papier. Ouais, un crayon à papier, parce que je vais jamais retenir. Il n'y a que 6 notes, c'est ça? Ouais, 6. Mais je sens les embrouilles. Je hume. Ouais, voilà, j'ai un papier qui me sert à rien. Je vais utiliser ça. On va se faire un code couleur. Alors attendez. Mais non, le L, il se met pas là. Et là, vous dites pourquoi il parle d'un L? Parce qu'en plus, j'écris comme un gros sac. Voilà, je me fais un petit carré. Donc c'est bleu, vert, violet, marron, rouge, noir. Ah, violet, j'ai écrit viol, hein, forcément. Parce que c'est moi qui me fais violer depuis le début du jeu. Ok, parce que je sais que ça va servir, ça je le sens, mince. Ah, j'ai oublié que mon pad faisait souris aussi, vu que j'utilise un pad PS4, forcément. Le tactile. Ok, donc il n'y a rien, j'imagine qu'il faut aller de l'autre côté, je peux pas aller en face. Ça sent tellement les embrouilles. Il y a de la piécette là-bas, il y a une save. Qu'est-ce qui nous attend? Une araignée. Dégage! Ah, je leur botte les fesses, moi, ces araignées là. Non mais oh. Ah voilà, je le savais. Ça va pas être dans l'ordre. Alors, faut pas se tromper dans les couleurs. Bleu. C'est quoi ce bruit? Est-ce qu'on a un temps? C'est quoi ça? Le deuxième, c'était quoi? Vert, c'est ça le vert? Violet. Qu'est-ce qu'on a dit après? Marron, rouge, noir. Il est où le marron? Bah en fait, elles sont dans l'ordre à part les premières. Ok. Bon, je garde ma petite feuille au cas où, mais ça peut resservir plus tard. Ça va, on avance, on avance. Ouah, mais c'est quoi ça? Il y a des haches, il y a de la lave. Ça sent tellement les embrouilles. Oh non! Non, 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 qu'est-ce qui se passe? Oh, les embrouilles. Ah, mais ça va, ça glisse pas ici. J'ai eu peur. Est-ce que je peux... Ouais, quand elles sont collées. Faut que je passe au bon moment en plus. J'ai failli cramer mes fesses. On a réussi. Il y a un checkpoint. Oh là là, ça continue derrière. Oh, double coup de latte. C'est pas le moment de tomber. Putain, mais les flammes, qu'est-ce qu'on les entend? C'est ouf, je trouve. On s'en sort bien, on s'en sort bien. T'as un petit pas de décalage là. Heureusement qu'il faut pas le faire en sautant. Ah merde, c'était là. On est passé. Il y a un embrouille là. Par contre, pourquoi il y a un truc ici? Tu sens ou pas les embrouilles? C'est quoi ici? Oh là là, c'est les haches. Est-ce qu'il faut aller là? Bon, en même temps, on va se le faire. Ouais, je pense qu'il faut la clé quand même. C'est quoi, une clé pomme? Oh là là, ça veut dire qu'il faut aller là-bas et qu'il faudra revenir. C'est ça l'idée? Attendez, faut que je sois bien en face, enfin, sachant qu'on voit pas grand chose.
ta grand-mère. Je comprends mieux le checkpoint. C'est pas le moment de craver. En vrai, t'as tellement largement le temps. C'est juste, faut pas tomber dans la flamme, dans la lave sur le dernier. Putain, je vois que dalle en vrai. Ah, c'est bon. On a la clé paume. Mais il me faudrait des cœurs là. Là, les cœurs, ce serait pas trop demandé. On a pris un peu de dégâts. J'aimerais bien garder mes vies pour les niveaux plus tard. Oh là là, mais qu'est-ce qui nous attend encore? Déjà, là, il y a un coffre, il y a un checkpoint. Je me demande si je le prendrai pas avant au cas où. Ah, on est de l'autre côté, donc là, il va falloir. Ok, non, c'est bon, alors il devrait pas y avoir trop d'embrouilles. Il va juste falloir sauter sur le nuage. Hop là, on va quand même aller chercher ça. Dites-moi qu'il y a un cœur au moins. Ah merci. Ah, ça en met deux, hein, je pense. Un cœur, c'est deux. C'est pas trop radin. Le jeu vis-à-vis de ça, il est pas trop radin. Il y a un coffre là-bas. Mais ça, ça sent l'arnaque. Pourquoi? Je me dis que celui-ci, il pue l'arnaque. Ah non, c'est des piécettes. J'ai rien dit. On s'est fait quelques piécettes. Hein. Y a rien d'autre. Je me demande ce que ça va nous donner ici, hein, quand on va vaincre le dragon. Sachant que le dragon chante la bestiole quand même beaucoup plus hardcore que ce qu'on a connu avec le premier boss. Par contre, elle va où cette clé? Sans déconner, en vrai, il faut que j'aille où après? Parce que là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de sortie par là. D'accord. Il n'y a pas de porte ici. Moi, je viens de là, mais je peux pas remonter. J'ai envie de dire logique. Donc, il faut que je revienne sur mes pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut que je saute de l'autre côté? Il n'y a rien qui me dit vers où je dois aller. Là, il n'y avait pas de porte. D'accord. Là, il y a un petit chemin, mais ça sert à rien. C'est de la déco, ça. Il n'y a rien, on est d'accord. Juste de la déco. Donc, on se tape le nuage, on saute de l'autre côté. Dégage. Ah mais ici c'est les notes de musique. Là il y a des pièces. Ah voilà c'est là. Ah j'avais pas vu. Mais mets ta clé. Oh là là, il y a un gros qui m'attend derrière pour me savate. Il fout ma gueule en plus. Hey, il est devenu bleu. Dis-moi que ça me donne une clé. Merci. Il va y avoir un cœur, je pense. On est peut-être au drac derrière. Ah bah non, des piécettes. Pas mal de piécettes. Il n'y avait rien d'autre. Ok. Bon bah on avance. Hein. Ah oh. Appuie sur cet interrupteur. Un TP. Ok.
clé ananas. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais le pire dans tout ça, c'est que je m'amuse comme un petit fou. Il me faut une clé cerise. C'est ça l'idée pour ouvrir ça. Mais... il faut se lancer dans la lave. Putain, mais c'est beaucoup plus long que le truc des pirates. Hein. Sachant que... je me disais que... ouais. Le truc, c'est que t'avais intérêt d'avoir du temps de jeu devant toi. Parce qu'il n'y a pas de save. Il y a du checkpoint, mais il n'y a pas de save. Et sachant que le checkpoint, il te remet pas là. Nous, il nous remet... c'était où? Avant... après la... avant la clé banane. Oh là là. Oh là là, il faut sauter en plus. Oh, je suis parti en biais. Attends, c'est quoi ça? Faut que je passe au-dessus ou... comment ça marche? Parce que là-bas au milieu je vois, mais ça... ouais d'accord. Ouah, ça m'a cramé le fion. Ah oui, et puis il faut que je me rebarre derrière. J'espère qu'il va me donner une vie lui. Est-ce que tu sens les embrouilles ou pas de repartir sans prendre le dégât? Ah non, il n'y a pas, faut vraiment que je reparte. Ah ouais, mais je me suis fait toucher là au premier. Ah ok, on m'a mis un truc cette fois-ci. Attends, 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 non, il y a embrouille. Ah, je viens de capter. Oh, c'est horrible. J'avais peur qu'il n'y ait pas de plateforme derrière. Cette fois-ci, il faut passer au milieu. Non mais les flammes, elles sont tellement fortes que ouais, ça annihile les coups d'épée, voilà. Vous entendez mes petits bruits de renard là? Non, je suis mort comme un sac, j'ai oublié de me protéger. Oh la purge. La purge. Est-ce qu'il faut que je me retape tout? Ah ça va, j'ai pas pris les flammes. Oh là là, j'y étais tellement presque. Ça parce que je me suis pas protégé, mais le feu il m'enlevait tellement de vie, je pense. Ah, mais je l'ai la clé en vrai, putain, je suis débile, j'avais pas fait gaffe. Le mec il retape tout. Oh là là, les araignées qui m'attendent. Oh! Mais il y en a encore une! Mais non, j'ai perdu deux cœurs pour rien! Ah, j'avais la clé! Ah, je suis un gros débile! Ah, je suis tellement deg! Et ça va m'ouvrir pour là-bas au fond, non? Par contre, faut appuyer au bout d'un moment. Oh là là, je le savais tellement! Non, il faut recommencer! Non, ils ont pas osé faire ça! Ils ont pas osé! Mais qu'est-ce que je vous ai fait, le jeu? Ah, même pas un cœur, quelque chose. Et là, il y a un coffre. Ça se prend, hein.
En plus, c'est bien, il y avait un petit renard sur les coffres, ça veut dire. Ah oui. Ah oui, mais le truc il va pas disparaître, quoi que ça revient. Oh là là, c'est abusé par contre ça. Comment ça va se passer, les embrouilles là, l'infini? Sentez ou pas les embrouilles de l'infini là qui nous attendent? Faire couper les seufs. Ah non, ça m'a touché quand même. Ah mais je crois toujours qu'il y a quelque chose là dans ce noir. Ah, ce feu des enfers qui m'embrouille, ça me déconcentre à mort en vrai. Oh mais tu veux pas crever? Quand même. Oh il a un cœur, merci. Oh merci. Non, en vrai c'est tellement sadico ça. J'ai la clé. Mais j'ai perdu une vie, putain, je suis tellement deg. Je pensais avoir avancé assez. Oh la déception. Ah ouais, non, en plus ça me rendait pas ce truc. Attends, non, non, appuie pas. J'avais pas vu, il y a un autre coffre. Mais. Putain, je crois que c'était des embouts. Putain, il va falloir se refaire des vies. Parce qu'il n'y a pas moyen que je me retape tout de toute façon. Sont les vies, ça marche pour tout le chapitre normalement. C'est bien ça qui me fait peine. Ça me porte peine tout ça. Non mais ça sent le dragon cette fois-ci. Dites-moi tout. Même pas encore. Allez, ça dégage. Là, il y a une clé, d'accord. J'imagine que le truc, ça va faire descendre. Ah. Après, moi, c'est ce que je me disais. Oh, mais oh! C'est quoi ces coffres pourris? Ouais, il faut vider la salle. Les raisins. Je pense que c'est pas encore aujourd'hui qu'on va fumer le dragon. Alors j'essaye de comprendre. Parce que j'imagine qu'il y a un truc à faire dans l'ordre ou je ne sais pas. J'avais dit. Ok, on a réussi. On a la clé banane. On a la banana. Il y avait un coffre là. Mais j'ai pas de clé. Elle était où cette clé? Ah, peut-être sur le retour, vu qu'il y a une clé raisin à mettre ici. Donc je pense que ça va être sur le retour. Qu'est-ce qui nous attend ici? Putain, mais il est long ce truc! Sans déconner! Pourquoi il y a une abeille luciole qui a le feu aux fesses? Ah, elle m'indique la route pour que je vois ce qu'il y a devant moi, non? Non, ça sent trop les embrouilles, votre histoire, les gars! Ça sent pas bon! Je préfère le dire, ça sent pas bon!
Ça sent que vous cherchez à m'embrouiller, je ne sais pour quelle raison. Donc les amis, on va se quitter ici pour ce 4e épisode, si je ne m'abuse. J'espère que ça vous a plu. Mine de rien, on a quand même avancé. Ça me fait extrêmement plaisir. Je le dis, je passe un bon moment sur ce jeu. Franchement, c'est plutôt rafraîchissant. Je comprends pourquoi le jeu n'est pas resté spécialement dans ma mémoire pour le peu que j'ai dû y toucher. Ça a dû me rendre fou. Je trouve ça carrément logique, mais ça se passe plutôt bien là. On va essayer d'en voir le bout, espérons. Le jeu, normalement, il fait qu'une poignée d'heures, donc on pourrait s'en sortir. Je pense pas qu'on ait fait la moitié, mais je pense qu'on se rapproche de la moitié. Peut-être qu'il nous faudra finir au moins le drac et entamer un bout de suite pour être à la moitié. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. On s'en sort plutôt bien. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Ciao, ciao, les amis.